Quelqu'un qui s'appelle Jacques Tétrault, qui est le porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui est quelqu'un d'extrêmement dévoué, très compétent, et qui nous a beaucoup aidés, et qui fait énormément de travail de terrain. Et ce travail de terrain est en train de se faire aussi dans d'autres régions, surtout le tracé de, notamment, l'oléoduc d'Energia de Trans-Canada. Donc, ce qui commence, si vous voulez, comme, un peu comme un syndrome, pas dans ma cour, en fait, va prendre une autre dimension, va devenir un mouvement qui grandit avec...